Donc alors, le fruit, il est là. On va faire ça. Oups. Non, attends. Voilà. Oh. Très joli. C'est un peu spécial comme graphisme, mais j'aime bien. Un mélange de dessin et de... Enfin, c'est très joli. Regarde, le village est redevenu comme avant. La petite Sakuya, elle protégeait vraiment le village. J'aurais bien voulu passer plus de... Oh, punaise. Si tu vois ce que... Non, je vois pas ce que tu veux dire. Bon, sérieusement, le village n'est pas encore à l'abri de tous ces démons qui rôdent à peu près partout. Retournons là-bas pour voir ce qui n'en retourne. Ouais, retournons au village. Donc, en gros, c'est... Y a quoi là-haut? Y a un truc là-haut. Moins que ce soit des flammes, tout ce qui est de plus banal, je sais pas. Y a un truc bizarre avec un... Enfin, y a un truc bizarre là en face. Bonjour. C'est quoi ça? J'aimerais bien savoir. Je me souviens pas d'avoir vu cette statue ici. Enfin bref, allons parler aux villageois. Ok. On va aller à gauche pour voir. Ah, au bout d'un moment, on va vite. Ok. Donc ça sert rien, j'imagine. J'imagine qu'il faut aller là. J'ai un mauvais pressentiment. Le village de Kamiki est célèbre pour ses magnifiques paysages. Je me demande ce qui peut bien se passer. Ouais, c'est curieux. Qu'est-ce que je dois faire ici? C'est vrai qu'il y a... Tout est sombre, en fait. Bon, en même temps, si... On a libéré une partie du village, hein. Je veux dire, on n'a pas tout fait. Donc, peut-être qu'il faut... Peut-être qu'il faut aller ailleurs, en fait, je pense. On va descendre pour voir s'il n'y a pas autre chose de l'autre côté. Ouais, par là. Ah, voilà le village. Ah, mais c'est les villageois en fait. Ils ont été transformés en statues, d'accord. Tiens, il y a une statue ici. On dirait que les villageois se sont transformés en pierre. Encore? Ce n'est pas un de ces petits yokai qui traînent dans le coin. Un rugissement pareil doit provenir d'une sacrée bestiole. Dépêchons-nous de trouver quelqu'un de vivant. On s'est rentré dans les maisons? Peut-être à l'intérieur? Hey, qu'est-ce que tu fais? C'est pas le moment de traîner. Bah... J'aurais bien voulu piquer un navet ou deux, mais bon, apparemment... Alors... Non, c'est pas le moment d'abri. Je suis pas bizarre, tout le monde allait bien. Ama, quelque chose... Il y a quelque chose de louche ici, sans blague. Le village est de retour, mais le ciel est toujours aussi sombre. Peut-être... Est-ce qu'il fait nuit également à l'extérieur du village? Montons en haut pour voir avoir une vue du... Ben, c'est ce qu'on a fait, hein. Ah, faut retourner là où j'ai été. D'accord. Ben, oui. D'abord, il fallait aller voir les villageois, en fait. Non, retournons en haut de la colline. Ben, qu'est-ce que tu crois que je suis en train de faire depuis le début? Je suis la flèche, hein, moi, c'est bon. Wow. Il est speed, hein, ce loup, quand même.
C'est ce que j'ai fait, calme ta joie. C'est mal parti, le soleil ne brille même pas. Il fait aussi noir que l'encre d'un pinceau. Tous les villageois ont été pétrifiés. Est-ce une malédiction? Est-ce l'œuvre des yokai? Ça va durer éternellement quand même. Ça va pas durer éternellement quand même. Si seulement le soleil pouvait réapparaître. En traçant un cercle dans le ciel, on obtiendrait un soleil. Mais c'est impossible à faire même pour un dieu. On devrait peut-être aller chercher de l'aide. Bien sûr, si tu possédais ce pouvoir dès le départ. Bon, bah ok, j'ai compris. Ouais, alors, je sais pas dessiner, hein. Je tiens à préciser. C'est ça, le soleil? Eh ben. J'imaginais ça un peu différemment, mais bon. C'est stylé, on va dire. Mais bien sûr, tu t'appelles Amaterasu, c'est le nom de la déesse de la soleil. Ben oui, c'est ce qu'on dit depuis une heure. En fait, il est comme Prosper Isun, c'est-à-dire qu'il faut lui répéter 10 000 fois les mêmes choses, au bout d'un moment, il finit par comprendre tout seul. Tu possèdes la technique du soleil divin depuis le départ. Tu peux donc transformer la nuit en jour. Je ne savais pas que les kami étaient aussi puissants. Les traits du pinceau caressent la feuille telle la mélodie des cieux. Mon grand-père a dit ça dans un de ses poèmes. Il pensait qu'un peintre était le musicien des formes et des couleurs. Oh! Puisque toi aussi tu es un grand artiste, pourquoi on ne nommerait pas ton coup de pinceau avec le nom d'un de ses poèmes? On l'appellera le pinceau céleste. Après tout, tu as réussi à faire apparaître le soleil. Allez, Ama, retournons au village. On va voir si les villageois sont redevenus normaux. Oui, ce serait bien d'aller voir ça. Qui es-tu? Ah ben... C'est un vieil homme. Ancien du village, papy mandarine. Ah ouais, carrément. Un loup blanc. Pas celui qui a combattu le terrible dragon avec Izanagi. Tu ne peux pas être le légendaire Shiranui? Non, ce n'est pas possible. C'est une légende vieille de 100 ans. J'adore comment le loup y baille en mode on s'en fout comme dans l'an 40. Tu ressembles beaucoup à la statue de Shiranui. Mais tu n'as pas l'air aussi malin. Quoi? Ah oui, d'accord. Ouais, bon, calme-toi, c'est bon. Tu peux vraiment comprendre ce que je dis? Je ne dis rien de mal, c'est vrai, tu n'as pas l'air très malin. Je sais pas comment on doit le prendre, hein, nous. Le soleil va se barrer en 2-3 minutes, tu vas voir, je vais l'effacer. Bon, enfin, c'est peut-être pas le moment. Quel est ce frisson soudain? Regarde, Ama. Voilà les démons qui errent à travers le pays, les yokai. Ils viennent dans les villages pour semer la pagaille. Écarte-toi, boule de poil. Ma fidèle épée d'ing... Ah ouais, d'accord, il va y aller lui-même, quoi. Allez, le vieux, dégage! Hop! C'était un peu violent, quand même, hein. Allez, dégagez. Allez, hop. Hop. Et hop. Quoi, ça a raté? Ah la vache! Zut! Mais. Merci! Voilà. Pas évident, hein, les combats. Je tiens à préciser. Ouais, enfin, je suis pas douée avec le pinceau, hein. C'est moi qui vous le dis. Hein. Wow! C'est quoi ça? Wow, dis donc, t'es plutôt agressif quand t'es en colère, non? Oui. Tiens, tu as vu, tu as obtenu des sphères de bonheur. Regarde, tu vois cette source qui était tarie? Elle est redevenue normale parce que tu as éliminé les démons de la zone. Tu as restauré les pouvoirs du kami qui protégeait cette terre. Les gens appellent ça une intervention divine. En redonnant à la nature de sa beauté originelle, tu obtiendras encore plus de sphères de bonheur. N'oublie pas que le bonheur
que tu obtiens grâce à tes actions est la source de ton pouvoir. Ah ouais, d'accord. Plus on a de sources de bonheur, plus on est puissant. Ok. Les divinités qui demeurent dans notre monde, mais si tu rends les gens heureux, on recommencera à te vénérer comme avant. Qui sait, peut-être que tu retrouveras tes pouvoirs. Bref, je me demande pourquoi il y a autant de démons dans les environs. Et le papy mandarine que tu as balancé a pensé que tu étais juste un loup ordinaire. Les camis sont devenus si faibles que les gens ne peuvent même plus les reconnaître. Oh, allez viens, je vais te faire visiter le village. Je sens qu'on va vivre une grande aventure. Ouais. On va s'amuser, boule de poil. Oui, ça reste à voir, ça. Alors, sac à aliments, graines. Des graines légèrement grillées. Les animaux ne peuvent y résister. Espèce de petit coquin. Ah, c'est un mâle! Qu'est-ce que tu as ramassé de bon? Non, mais moi, je croyais que c'était une femelle, vu que c'est une déesse. Et attends, c'est juste de la nourriture pour animaux. On sait jamais, on doit peut-être quand même la garder. Et si tu essayais de t'approcher des animaux pour leur donner? Peut-être que quelque chose d'heureux t'arrivera. Je sais que les camis ne sont pas supposés utiliser les créatures vivantes de cette manière, mais fais pas de chichi, on fait une exception. Oui, à chaque fois que tu vérifies ton inventaire, appuie juste sur F1 pour ouvrir l'éventail. Lorsque l'éventail est ouvert, tu peux voir et utiliser les objets que tu possèdes. Ok. On va voir ça. Oh, je vois. Talisman, équipement. Ça, c'est nos points de vie et le pot d'encre. Ok. On peut ressusciter. Ouais, il est rempli, c'est bon. Ok. Ça, c'est l'argent. Ça, c'est les différents traits de pinceau. Ok. On n'a pas tout, mais c'est normal. Ah, ok. Ça, c'est Renaissance. Ok, Soleil. Ah oui, on voit les traits au milieu. D'accord, ok. Ah, il y a un codex aussi. Mémoire, journal. Je vois, ok. Bestiaire. Les esprits malins à l'aspect de singe alimentent le tourment des... aiment tourmenter les humains. Ok. Objet. Les animaux ne peuvent y résister. Ok. L'équipement, j'ai quoi? Vengeance divine. Ce miroir donné par Sakuya bannit les démons avec son pouvoir divin. Ok. Bon, on va laisser ça. Ça, c'est quoi? Vous avez obtenu globe spirituel. Symbole de croyance des œuvres. Restaure un peu de l'énergie. Ah ouais, donc ça me soigne en gros. Ok. Eh mais non, mais je voulais vous nourrir les oiseaux. Je voulais pas vous bouffer. Revenez. Oh. La déception quoi. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est... Attends. On va nourrir les oiseaux. Oh, c'est joli. C'est joli et un peu bizarre en même temps. Et c'est bon, il n'a pas terminé. J'en ai pas mis... on doit appuyer sur quelque chose là ou bien... Alors, j'aime bien mon loup qui est en train d'observer l'oiseau, en train de picorer, comme si c'était rien, quoi. Oh, les oiseaux m'aiment bien, c'est cool. Monsieur, je suis vraiment désolée, hein, pour info. Oh, noble Chiranui, non. Ah, je crois qu'on lui a donné un sacré coup sur la tête, hein, quand même. Mordre. Mais non, on va pas mordre. Ah, je sens, je le vois. La présence maléfique des yokai. Concentre-toi, observe derrière toi. Ouh la vache. Oui, en effet. Alors. Un de moins.
Alors, déjà. Hop. Et hop. Comment ça j'ai raté? Non mais oh. On reprend de l'encre. On attaque la bestiole. Et on reprend l'encre. J'ai vu ce que le commun des mortels ne peut voir. La bataille... Oh, il y a les oiseaux derrière qui sont... 29 secondes, la vache. Ah, les oiseaux qui m'aiment bien. Franchement, ça fait un peu bizarre quand même. F. Concentre-toi derrière toi. Quoi, c'est un mode... Voilà, un moins. Et un moins et... Oh, mais c'est pas vrai. Pas évident, hein, mine de rien. Donc là, c'est bon. Est-ce que c'est bon, le résultat, ou bien... J'ai vu ce que le commun des mortels. La bataille a duré 16 secondes. Merci. Ben, c'est tout. Ok, ça a servi à rien pour le moment. Mais au moins, j'ai battu mon record. 16 secondes, c'est bon, c'est déjà bien. Alors, madame. On peut mordre les gens, quoi. Donc vraiment en mode sans gêne. J'en ai plus qu'assez. Je ne sais pas si c'est des chiens errants ou les monstres qui rôdent autour du village, mais quelqu'un n'arrête pas de creuser des trous dans mon champ. On déambule en creusant des trous. Ça me rend folle. Si j'attrape le vaurien qui fait ça, je lui mets une bonne trempe. Derrière elle, ça devrait le faire. Attends. Oh punaise, je suis désolée madame, je suis désolée, c'était une blague. Je m'en vais, c'est bon. Elle me poursuit toujours. Non c'est bon. Il y avait quelque chose là. Non mais ici il y avait un truc là. Il y a un navet là. Il y a un navet hein. Ah non c'est un radis, pardon. C'est pareil. Iiii, je suis désolée madame, je suis vraiment désolée. C'était juste pour un, quoi. C'était pas pour tous, hein. Je suis pas méchant de nature, mais je donne juste des bonnes fessées. Bah, dangereuse, cette femme. Un loup? En plus, il est tout blanc. Mais t'as l'air plutôt gringalet. Quoi? Tu penses que tu pourras battre ma chienne Hayabusa? Alors écoute, tu vois le champ qui est gardé par ma maman? Eh bien, Hayabusa a réussi à déterrer 9 radis à la suite. Alors que ma maman le poursuivait pour lui donner une bonne fessée. En faisant, il y a 10 radis dans le champ. L'objectif, c'est de déterrer les 10 radis. Sérieux? Mais je vais me faire défoncer! Bon, on va essayer. Ouais, si. Bon, alors, madame. Attention! Alors, dégagez, madame, s'il vous plaît, laissez-moi. 2. On va creuser ici. Oh non! Aïe! Aïe, mais. Mauvaise. Bon, on va recommencer. Attends, est-ce que ça me donne des. Est-ce que ça me fait perdre de la vie, ça? Ah non, c'est bon. Oh non! Ouf! Ah mais elle va vite hein, pour... Ouh la vache! Putain, elle va vite pour... Fou! Elle est rapide, hein, la dame.
On va creuser un peu tout. Hop. Ouh la vache, c'est dur. Hein. Oh non. Non, mais non. Ah, c'est pas vrai. Bon. C'est pas facile. Hein. Surtout que le champ, il est vraiment pas facile à... Bon, attends. Bon, pousse-toi l'oiseau, c'est pas le moment. Attends, on va essayer de la jouer fin. On va essayer de la jouer fin. Hop. Non, pas par là. Voilà, maintenant on continue. Hop. Non, attention. Oh, le jeu. Le jeu un peu stupide, là, c'est... Ah, elle s'est calmée. Ouf. Oh, non, 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 doucement. Je suis désolée, madame, je suis désolée. Bon. Bon, attention, on va continuer à courir. Elle s'est calmée. Voilà. Non, attention, là c'est dangereux. Hop. Non, attention. Elle s'est calmée. Hop. On déterre ça. Hop. En fait, elle s'épuise, je crois. C'est pas qu'elle se calme. Non, attention. Ouf. Eh ben, creuse. 7. On a bientôt terminé. Hop. Non, non, attention. Là, on creuse. Hop. Elle se calme dans quelques instants. Hop. Et il n'en reste plus qu'un. Bon, là, va falloir qu'elle se calme, par contre, pour que je l'aie. Elle court pas très vite, mais elle fait mal. Ouh, attention. Et j'ai terminé. Hop. Hi, non, attention. Je voulais récupérer le truc. Mais non, mais madame, mais arrêtez. Mais non, mais c'est bon. Voilà, calmez-vous. Maintenant, laissez-moi récupérer mon truc. Hop. Voilà. Vous avez donné le radis étrange. Eh, mais c'est... C'est le radis étrange que je cherchais à Hayabusa. Ça veut dire que tu as battu le record d'Hayabusa en déterrant les 10 radis. Zut. Très bien, tu as gagné. C'est toi le meilleur. Maintenant, ça nous donne un nouvel objectif à atteindre. On a vraiment gagné du bonheur en déterrant les radis d'une pauvre dame. Franchement, c'est abominable, en fait. Où est-ce qu'on va? Ça, c'est quoi? Examiner. Maison du saké de Kushinada. Ok. Son saké est si célèbre que les gens de la capitale viennent jusqu'ici en acheter. Ok. En fait, faudrait vérifier toutes les maisons, en fait. Examiner. Maison de l'ancien. Bah, on va aller voir. Hein. Ah oui, en effet, je constate. Oh, on a piqué toutes ces mandarines, quoi. Il n'y a rien à manger tout de suite, quoi. Il n'y a rien à manger. Ah, mais on rentre dans les baraques pour bouffer les trucs des gens. Ok. Donc, on est vraiment un... Une de la vermine, quoi. On est un loup errant. C'est horrible, quoi. Surprendre de grignoter, ça va chauffer. Ben écoute, elle m'a déjà tabassé 3000 fois, donc aïe. Aïe. C'est pas grave, on a récupéré de l'encre, c'est tout ce qui compte. Oh, on peut passer par-dessus.
cool. Allons, rentrons à l'intérieur pour voir. Examiner. Ce doit être l'endroit où, où est entreposé le saké. Ça sent bon, pas vrai? Je sais pas. Balle de riz. Épis ficelés avec la paille remplis l'estomac. Oh! D'accord. Ah, mais c'est pas rempli en fait. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'elle fait? Oula! Madame, j'ai pas compris là. Écoutez. Kushinada. Mais quel joli loup, quel est ton nom? Je m'appelle Kushinada. Enchantée de faire ta connaissance. Marchande de saké, Kushinada. Quand en train de travailler dans les champs? Petit Izune, quelle surprise! C'est ici que je vais pousser le riz pour faire mon saké. Malheureusement, je suis toute seule à travailler. Je vais devoir demander à Susano de m'aider cette année encore. Oh, désolé mon petit loup, je ne peux pas m'empêcher de parler. Dis donc, Ama, j'ai l'impression que tu lui plais. Ah bon? Bah, tu rencontreras beaucoup de gens qui voudront te parler. N'hésite pas à les écouter deux ou trois fois. J'aime bien les deux ou trois fois. Tu es un dieu, donc tu peux facilement savoir lorsque quelqu'un a quelque chose à dire. Si tu vois un triangle au-dessus de leur tête, ça veut dire qu'ils veulent te parler. Les humains parlent de tout et de rien, mais parfois leurs informations sont précieuses. On va l'écouter. Il est un peu farfelu, Susano. Il se promène toujours avec une énorme épée dans le dos. Il s'entraîne très dur. Paris, c'est le descendant du légendaire héros Izanagi. Oh! Il adore le saké et il vient souvent ici pour en acheter. D'accord. Ce serait intéressant d'aller le voir. Ah, c'est la femme de l'autre andouille, ok. Voilà un spectacle inattendu. Es-tu le descendu de la montagne pour venir jouer avec nous? Sois prudent, mon petit loup. Des yokai rôdent autour du village. Dis, mamie, ce loup à qui tu parles est la réincarnation du légendaire Shiranui. Ne t'inquiète pas pour les démons, à nous deux, on fait le ménage. Tiens, ne serait-ce pas Isun en train de se promener avec un loup? Il est vrai que ton compagnon ressemble à Shiranui, surtout le nez. Bon, il est temps que je retourne travailler. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Fichtre, il rompt toujours autant qu'un ours. C'est la demeure de Susano, un guerrier à la mort moineux. Il se vante partout d'être le descendant du légendaire héros d'Izanagi. Il est célèbre pour sa... pour s'aligner, mais en vérité, ce n'est qu'un fainéant de première. Rien à voir avec le même type du héros. Ok, d'accord. J'ai mal lu. On pourrait aller voir ce qu'il en est. Examiner. Écoute, c'est moi ou tu entends aussi des ronflements qui viennent en bas? Ah oui, mais... Ouais, cassons ce truc-là et descendons. Oh, super, il a certainement bu énormément et maintenant, il faut le réveiller. C'est lui, sérieux? Je suis le plus grand. Ouais. On peut pas sauter sur son ventre? Kushinada, Max. Ah ouais, laisse tomber, il est pas prêt à se réveiller. Ah ouais, d'accord, il est carrément amoureuse de la femme de saké, là. Enfin, qui prépare le saké, ok, d'accord. Ouais, je crois qu'on peut rien en tirer, hein, pour le moment. Donc, va falloir le réveiller à un moment ou un autre pour autre chose, mais... Bon, là, ça n'a pas l'air d'être très efficace. On va sauvegarder.
Où est-ce qu'on pourrait aller d'autre? Ce truc-là, on peut le casser. Attends. Ah ouais, d'accord, c'est efficace, hein. Quand ce sont les épées avec lesquelles ils s'entraînent, elles sont toutes rouillées et on dirait qu'elles n'ont jamais été utilisées. Ah ouais, donc c'est vraiment un mec inutile, quoi, en gros. Peut-être qu'il prouvera sa valeur plus tard, hein. Non. Elle, elle a quelque chose à dire. Oui, bon, c'est bon, calme ta joie. Madame, dis-lui bonjour si vous le voyez. Il a besoin d'amis, je pense. Il est toujours tout seul. Ouais, ça m'étonne pas vu le genre de mec que c'est. Oh punaise, désolée madame. Vous êtes venu écouter les radotages d'une grand-mère? Eh bien, je fais mon linge. Ouais. Mais quand j'ai voulu le sécher au soleil, la perche pour l'étendre avait disparu. Que faire? Moi, je veux bien faire une perche. Ah, là, ici. Ok. Alors. Voilà. Une nouvelle perche? Par quel prodige? Elle est apparue par enchantement. Les Camis ont dû répondre à mes prières. Il est temps de finir mon linge. Voilà. Alors, madame, autre chose à dire? Je suis heureuse de pouvoir étendre mon linge, mais le soleil semble si loin ces derniers jours. Peut-être que le soleil se cache de tous les monstres. Sinon, il pouvait briller plus près. Bon, attendez, madame, ça va se faire. Ouais, là, ça devrait le faire, hein, je pense. Voilà. Mon Dieu, le soleil est soudainement apparu. Mon linge va pouvoir sécher tout de suite. Les miracles ne cesseront-ils jamais? Non. Ce soir, je ferai des sakura mochi. Oh, c'est bon, ça, c'est des gâteaux. Ouais, c'est des gâteaux aux fleurs de cerisier. Boule de neige vient... Boule de neige? Viens donc à la maison. Personne ne fait les mochis comme moi. Tu vas te régaler. Ouais, d'accord, mais était-ce vraiment nécessaire de m'appeler boule de neige, madame? Est-ce qu'elle nous aime bien? Non, elle fait pas pareil que... Elle fait pas la même chose que... On peut parler aux chiens? Non, mordre, c'est pas la peine. Non, mais arrête. Mais c'est là la maison, non? On va aller voir. Mais c'est pas la peine de sauter partout, hein. Il n'y a rien à manger. En fait, notre loup, il pense qu'à ça, en fait, si je comprends bien. Donc là, on a parlé à tout le monde, je pense. Au niveau du village, on a tout fait, apparemment. Ouais, je pense qu'on a tout fait. On va re-sauvegarder. Voilà. Par contre, je me demande ce qu'il y a là-haut. Le gant. Quoi? Pourquoi il est marqué AI? Non mais... Le grand guerrier Susano. Bah, c'est même pas écrit correctement. Oh, la misère, quoi. C'est horrible. Ah, il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. Bonjour. Par tous les Camis, qui a bien pu mettre cet énorme rocher ici? Pas moi. Il bloque la route qui mène hors du village. Impossible de passer par ici. De toute façon, c'est encore dangereux de sortir du village. Et on peut pas casser le rocher? Non, je pense pas.
Alors par là, il y a un... Wow. Il y a un trésor, mais est-ce qu'on peut... Attends. Non. Quoi, ça m'affecte? Ça m'affecte d'aller dans l'eau? Ça a l'air de m'affecter quand je vais dans l'eau, hein, moi, tu sais. Bon, je vais pas tenter d'aller dans l'eau, mais bon, voilà quoi, c'est... Ah, on n'a pas été dans cette maison, je pense. On mange des onigiri. C'est bon, les onigiri. C'est des boulettes de riz, en fait. Enfin, des boules de riz, quoi. Ah, oh, j'aime bien, on a tous trané, quoi. C'est un meulier pour polir et nettoyer le riz. Mais le moulin à eau est cassé et ne marche plus. On va voir ça. Ah! Qu'est-ce qu'on prépare ce truc? Comment est-ce qu'on répare ce truc? Non, je sais pas comment. Je crois pas pouvoir le réparer encore. Enfin, je sais pas trop comment faire. Mais il y a un truc là-haut. Non. Voilà. Il y a un truc là-haut, mais je sais pas trop comment récupérer. Non, on peut pas le couper en fait. Il est pas attaché à quelque chose, quoi. Non, on va pas mordre des poulets, c'est pas le moment. Voilà, on remplit un peu l'estomac. À cause de toi, ce coquin de Mushikai a encore fait des siennes. Mais pas d'inquiétude, une bonne fessée pour remettre tout dans l'ordre. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah, mais non! Mais non, mais... Arrête de glisser! Non, on saurait pas. Bah du coup, je vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Ah, ce soir, ok. Mais elle aime vraiment bien notre notre perso, enfin notre loup, quoi. Ouais, sauf que j'aurais bien voulu. Pourquoi on avait les sous à côté? Je vois pas la mordre. Écoutez, ouais, non, j'ai dû me tromper, c'est pas grave. Je me demande s'il faut pas réveiller le soi-disant héros qui est... Enfin, il n'a même pas écrit ça de manière convenable, quoi. Bon, lui, on va lui parler. Ou elle. C'est un marchand. Oh oui, c'est étrange. Je me concentre pour bouger le rocher, mais mon corps ne répond pas. Je n'ai aucune force. C'est comme si le rocher était protégé par un pouvoir. Oh. Ok. Ça, c'est de la présentation où je m'y connais pas. Attends, je vois pas où est le truc. Ah non, zut. C'est pas assez. Oh punaise. Voilà.
toi ça et c'est bon. Ouais, j'ai mis un peu de temps avant de le tuer, hein, mais bon. Ah, tout redevient fleuri, c'est bien. Vous avez obtenu des sphères de bonheur. Tu brilles tout d'un coup? Ça veut dire que tes attributs divins peuvent être augmentés? T'as pas l'air très excité. Bah oui. Bref, laisse-moi t'expliquer. Regardons un peu comment améliorer tes attributs divins. Je vais ouvrir l'éventail où tu peux voir tes attributs divins. Utilise les sphères de bonheur que tu as accumulées pour améliorer l'attribut que tu veux. Ok. Ah, c'est ça que je peux améliorer. Ok. On va peut-être augmenter l'encre ou la vie, je sais pas. Ouais, la vie. Ok, on en a 4. Ah, on peut pas augmenter. Ouais, d'accord. Okay. Le prochain, ce sera l'encre. Hein. Alors, les sensations reviennent peu à peu, hein? On ne voit pas la différence. Quel rabat-joie! C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour Amaterasu. Continue comme ça. Oh zut, j'ai failli oublier, il faut s'occuper de ce marchand. Ah, je me sens léger comme une plume. Malheureusement, cet énorme rocher ne bouge pas d'un pouce, qui donc a bien pu bloquer le seul chemin. Comment vais-je retourner à la ville? Dis-moi, petit chien, ton maître vit dans ce village, n'est-ce pas? Tu dois donc connaître celui qui se nomme Susano. Il paraît que c'est l'un des descendants du légendaire héros Izanagi. Si quelqu'un peut déplacer ce rocher, c'est bien lui. Bizarre, bizarre, ce rocher n'était pas là avant.